Aïda bochada bababaya, e deboche de boco de bochaca, e cada vaca baia deboche. Bonjour, bonjour, bienvenue, bienvenue. Bienvenue dans ce temps de prière que nous appelons l'offrande du matin. Bienvenue, bien-aimé, là où tu es, commence à te préparer, prépare-toi, parce que nous venons dans la présence des dieux, passer une heure dans sa présence, parce que nous voulons que ce moment soit pour lui et lui seul. Nous voulons nous abandonner totalement, nous voulons lui laisser toute la place, afin qu'il puisse conduire toutes choses, afin qu'il puisse conduire ce moment, et que ce moment soit pour lui. Alors, bien-aimé, là où tu es, élève la voix. Si tu peux prier en langue, tu peux commencer à prier en langue, tu peux commencer à rendre grâce à Dieu, parce que quand tu pries en langue, tu es en train de rendre d'excellentes actions de grâce à Dieu le Père. Élève la voix et rends grâce à Dieu par l'Esprit si tu peux. Si tu ne peux pas prier en langue, alors dis simplement merci à Dieu. Merci à Dieu pour le souffle de vie. Merci à Dieu parce que ce matin encore, il t'a réveillé, il t'a tiré du lit. Quand l'ennemi cherchait des noises, cherchait à te ravir de cette terre. Ah, ton Dieu t'es là. Ton Dieu t'es là pour te garder. Ton Dieu était là pour te protéger, ton Dieu était là pour te préserver. Alors rends grâce, élève la voix, rends grâce. Oh, abondons en action de grâce. Tu ne sais pas les combats que tu as pu gagner cette nuit, parce que ton Dieu t'a fait triompher. Ah, si tu es en vie, ça veut dire que tu as gagné, parce que l'ennemi cherche toujours un moment favorable pour qu'il puisse attaquer. Alors mets-toi, prends conscience que ton Dieu te garde. Il envoie des anges autour de toi pour te préserver, pour te protéger. Ah, il t'enveloppe de sa grâce comme d'un bouclier. Merci Seigneur, merci Seigneur, parce que nous reconnaissons c'est toi qui nous garde. Nous reconnaissons que c'est toi qui nous protège. Nous reconnaissons que le souffle de vie, c'est tous les jours, tous les matins, tu le renouvelles. Tu as encore jugé bon de nous tenir en vie. Tu nous as renouvelé le souffle de vie ce matin. Comment ne pas être reconnaissant? C'est pour cela que nous te disons merci. Nous sommes reconnaissants, merci, parce que mon frère respire, ma sœur respire et nous sommes en vie. Si tu nous gardes en vie, ça veut dire que nous avons encore des choses à accomplir. Et comme nous disons, chaque jour a son lot de bénédictions, chaque jour a son lot d'actions à faire, chaque jour nous avons ta volonté à accomplir. Accorde-nous la grâce, Seigneur, ce matin, de nous connecter à toi et de pouvoir recevoir. Oh, ce que tu veux dire, ce que tu veux donner comme orientation, parce que nous avons décidé de te laisser la première place, la prééminence de toutes choses, la primeur de nos actions, la primeur de nos pensées, et nous te laissons toute la place. Ah, viens Seigneur, viens, oh viens Seigneur, oh Yedeboche, viens prendre toute la place. Oh, viens, viens, viens prendre toute la place. Oh oui, viens, viens, Seigneur, viens prendre toute la place. Oh oui, viens, viens, viens prendre toute la place. Oh oui, viens, Seigneur, viens prendre toute la place. Oh oui, viens, ô Père, viens occuper tout l'espace. Oh oui, viens Seigneur, viens prendre toute la place. Oh oui, viens, oh viens, viens prendre toute la place. Oh oui, viens Seigneur.
Seigneur, viens occuper tout l'espace. À nous t'appelons haut, Yéka débauche, Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Dieu souverain. Ah, viens, viens nous assister, parce que nous reconnaissons que nous ne pouvons rien faire sans toi. Ah, tu as été envoyé pour nous assister, pour nous garder, pour nous préserver, pour nous donner des directives, pour nous conduire, pour que nous puissions te suivre, pour que nous puissions obéir à ta parole, à la parole du Seigneur. Alors c'est pour cela que nous t'invitons ce matin, parce que ce matin, nous voulons rendre un excellent culte à Dieu le Père. Nous voulons rendre un culte agréable. Nous voulons rendre un culte raisonnable. Parce que notre Dieu, oh ce matin encore, il a jugé bon de renouveler ses bontés, ses grâces, ses compassions, sa bienveillance, sa miséricorde, sa fidélité. Oh bien-aimé, là où tu es, est-ce que tu peux lever la voix pour rendre grâce à Dieu le Père? Je ne t'entends pas prier. Élève la voix pour rendre grâce à Dieu. Aïe, débauché, que... Eh, oh oui, viens, oh viens. Viens prendre toute la place, oh oui, viens Seigneur, viens prendre toute la place, oh oui, viens, oh viens, viens prendre toute la place, oh oui, viens Seigneur, viens prendre toute la place, oh oui, viens ce matin, viens occuper tout l'espace. Parce que nous voulons que ta présence, oh, nous environne, nous enveloppe. Enveloppe-nous comme d'un bouclier. Enveloppe-nous de ta grâce comme d'un bouclier. Nous voulons que tu satures ces lieux. Nous voulons que tu satures ce moment. Que ta présence soit manifeste. Parce que nous reconnaissons que nous ne savons pas comment il convient de prier. C'est pour cela que nous avons besoin de ton assistance. Oh, viens. Élève la voix en langue pour rendre à Dieu le Père des excellentes actions de grâce. Viens, reviens, viens prendre toute la place. Oh oui, viens, Seigneur, viens prendre toute la place. Oh oui, viens, reviens, viens prendre toute la place. Oh oui, Saint-Esprit, viens prendre toute la place. Oh toi, ami fidèle. Viens prendre toute la place, oh oui, Paraclétos, viens prendre toute la place. Toi, notre assistant, oh, viens prendre toute la place, oh oui, Seigneur. Yanda boche de bakaya, yaikanda boko de boche. Oh baba baba bosha, oh ikanda braka baya de boche, ikanda braka baba baba boche kia, oh de boka ya de boche de baba, oh ikanda braka baya, ikanda bobo bobo boche de baba, ikanda braka baya de boche, oh konde braya da boche de baba, kanda braka baya de boche, ikanda baba bobo bobo boche de baba, ikanda braka baya de boche de, ikanda braka baya da boko de boche de baba baba boshaka, oh ikanda boko de boche de baba, oh. Nous te voulons, oh, ce matin, oh, nous te voulons, oh oui, ce matin, oh oui, nous t'appelons, oh oui, oh oui, Seigneur, oh oui, nous t'appelons. Oh oui, ce matin, Seigneur, nous t'appelons. Kandabashe kebaya, yekandeboko deboche. Parce que nous voulons nous approcher de toi avec un cœur rempli d'assurance.
Yé débroché des baba. Yé la bracaba, yé débroché des baba. Oh débroché des baba, baba, broché des baba. Aïe, la broche. Accordez-nous la grâce de nous s'approcher de toi avec un cœur rempli d'assurance. Yé débroché des baba, baba, broché des. Yé kanda broché des baya débroché. Et quand abracaba y a débroché des baba, et continue à lever la voix longue, continue à lever la voix longue. Y a abracaba baba broché des baba, et quand débroché que baba baba broché, et quand débroché des baba baba broché, et débroché des baba baba broché, et débroché des baba 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 broché, et des baba baba broché des baba baba, aïe. Seigneur, nous t'appelons, oh Seigneur, nous t'appelons, Seigneur, nous t'appelons, oh oui, Seigneur, nous t'appelons, Seigneur, nous t'appelons, nous t'attendons, Seigneur, nous t'attendons, et des rochers, des vagues, nous t'attendons, et quand d'abord qu'on débrouille, nous t'attendons, oh ce matin, nous t'attendons. Et des bouches, viens te mouvoir dans nos vies. Oh, ce matin, nous te voulons. Viens, Seigneur, toucher nos vies. Ah, ce matin, nous t'attendons. Oh, Yanda Bokoboye, tu es la réponse à un cri de mon frère et de ma sœur. Tu es la réponse parce que tu as dit dans ta parole, quand le juste crie, l'Éternel entend. Et il descend, il vient le délivrer de toute sa détresse. Tu es la réponse, ah, y a des roches, à un cri de mon frère et de ma soeur. Mon frère a crié, oh, y a des roches. Bien-aimé, tu as crié à lui, et que des roches. Oh, y a là-bas, il est là, il est là, il est là pour te répondre. Il est là, il est là. Il est là pour te répondre. Il est là, il est là. Il est là pour te répondre. Il est là, notre Seigneur. Il est là pour te répondre. Il est là, il est là. Ah, il est là. Il est là pour te répondre. Alors prépare ton cœur. Prépare ton cœur à rentrer dans sa présence. Prépare ton cœur à rentrer dans sa présence. Yé débauché des bababababauché. La parole de Dieu déclare dans Hébreux 10, verset 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alors bien-aimé, tu vas élever la voix pour demander pardon à Dieu si t'arrives, si tu te sens peut-être chargé ou tu te sens, il y a des mauvaises pensées qui t'envahissent. Où tu sens que tu as fait quelque chose et que tu n'es pas en accord avec le Seigneur. Où tu sens, où tu prends conscience et que tu n'es pas en accord et que tu ne marches pas avec le Seigneur. Ah, ce matin, le Seigneur veut marcher avec toi. Il a dit, oh, deux hommes ne marchent pas ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Alors mets-toi en accord avec le Seigneur parce qu'il a un chemin. Et il veut t'emmener quelque part ce matin. Il veut te donner une orientation divine. Alors c'est à toi de te mettre en accord avec lui. Parce que lui, il vient. Il vient pour celui qui va être derrière lui et qui va le suivre. Il vient, il ne vient pas pour toi. Il ne vient pas pour quelqu'un d'autre. Il vient pour les personnes qui vont obéir, qui vont être au garde à vous,
qui vont se soumettre. Si tu te soumets pas, alors il ne vient pas pour toi, parce qu'il ne pourra pas marcher avec toi. Il vient pour les personnes, oh, qui se reconnaissent, oh, qui ont besoin de Dieu. Ah, ils se reconnaissent, pauvres en esprit, ils se reconnaissent qu'ils ont besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Si tu as cette disposition de cœur, alors il vient pour toi, il vient pour te soutenir, il vient pour t'emmener à une autre dimension. Alors, oh, ouvre ton cœur, là où, oh, si tu as fait des choses, demande pardon, si tu as fait des choses qui ne sont pas en accord avec le Seigneur, avant de pouvoir avancer, oh, viens te réconcilier avec lui. Ah, il a dit, c'est vous qui élevez, c'est vos péchés qui élèvent un mur de séparation entre vous et moi. Ah, Yannabosh, n'élève pas un mur de séparation, parce qu'il vient pour toi. Il vient pour t'assister. Ah Seigneur, nous voulons te dire pardon. Nous te demandons pardon. Oh, pour toute forme de péché, parce que nous savons qu'il y a le péché du corps, le péché de l'âme, le péché de l'esprit. Ah Yannabosh, Yannabosh, là où nous avons péché, ah, nous venons à ce que Jésus le Christ nous purifie de toute iniquité, de tout péché. Viens nous laver, viens purifier notre conscience d'œuvre morte. Viens enlever au Kadeboshaï, parce que nous voulons rentrer dans le lieu secret. Nous ne voulons pas, oh, que l'ennemi puisse nous culpabiliser, puisse y parler. Alors c'est pour cela que nous venons, afin que notre conscience soit lavée, afin que notre conscience soit purifiée, parce que c'est le sang de Jésus qui nous purifie, qui purifie notre conscience des œuvres mortes. Alors viens dans la présence de Dieu, demande pardon à Dieu. Ah, il y a des bouches. Ya bien-aimé, même si tu ne te reproches de rien, même si tu te reproches de rien, demande pardon quand même, parce que tu ne connais pas, il y a des péchés inconscients, il y a le péché qu'on appelle le péché de l'esprit. Le péché de l'esprit, c'est quoi? Oh, tu pêches, quand débauche. Si le Seigneur te dit, va à gauche, et toi tu vas à droite, tu dois prendre conscience que tu as péché. S'il te dit, je te veux ici, et toi tu es là-bas, alors prends conscience que tu as péché. Ah, s'il te dit, réveille-toi à 5 heures, et toi tu te réveilles à 6 heures, tu as péché. Ah, si tu sais faire le bien, mais tu ne l'as pas fait, oh, tu ne l'as pas fait, prends conscience que tu as péché. Alors, bien-aimé, tu comprends que tous les jours nous péchons. Il y a le péché inconscient, le péché de l'esprit qu'on appelle. Alors, il faut que la main du Seigneur soit sur nous. C'est pour cela que tu dois te repentir. Tu dois demander pardon. Seigneur, pardonne. Pardonne nos manquements. Ah, là où tu m'attendais, oh, je me suis retrouvé ailleurs. Pardonne mes manquements. Là où tu voulais que je m'élève, là où tu voulais que je fasse quelque chose, mais je ne l'ai pas fait. Pardonne mes manquements. Pardonne nos manquements. Pardonne nos défaillances. Pardonne. Aïe, ah, élève la voix. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu, parce que nous avons besoin de sa main. Nous avons besoin qu'il nous conduise. Nous avons besoin qu'il marche avec nous. Nous avons besoin qu'il puisse nous assister. Alors c'est pour cela que nous ne voulons pas l'attrister. Non, oh, ce matin, nous ne voulons pas t'attrister. La parole de Dieu déclare dans Éphésiens 4, 30, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ah, il y a des bouches. Bien-aimé, si tu étais dans les critiques, dans le murmure, oh, si tu es dans les doutes, oh, si tu es, oh, tu as du mal à pouvoir faire confiance, viens t'humilier, demander pardon à Dieu, parce qu'il a dit, oh, Kandeboshaya, mets ta confiance à lui, reconnais-le dans toutes tes voies, mets ta confiance à lui, et il agira. Il veut agir ce matin dans ta vie. Il veut agir ce matin. Viens te réconcilier. Viens, Seigneur, aïe, Nébosha, nous faire grâce de pouvoir nous réconcilier. Kandébosha, Nébababababosha, parce que tu nous emmènes quelque part. Ce matin, tu veux nous faire avancer. Oh, ce matin, c'est pour cela que tu nous appelles de venir à toi, de nous rapprocher du trône de la grâce. Il a dit, approchez-vous de moi, et moi je m'approcherai de vous. Ah, tu dois savoir que c'est à toi de faire le premier pas.
Notre Dieu est un gentleman. Le Saint-Esprit est un gentleman. Tu dois savoir, il est un gentleman. Si tu ne t'approches pas, il ne s'approche pas de toi. Alors, demande pardon pour tes manquements. Pardon, pardonnons, que des beaux chayas. Seigneur, pardon nos manquements. Oh oui, pardon nos défaillances. Oh oui, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne, pardonne nos manquements. Pardonne, Seigneur, nos défaillances. Pardonne, Seigneur, nos manquements. Pardonne, Seigneur, nos défaillances. Pardonne, oh oui, nos légèretés. Pardonne, Seigneur, nos légèretés. Pardonne, pardonne nos manquements. Là où nous t'avons attristé, pardonne-nous, Seigneur, parce que nous voulons avancer avec toi. Pardonne nos défaillances. Pardonne nos manquements. Pardonne nos légèretés. Pardonne nos fautes. Aïe, des bouches, des babes. Tu es le Dieu miséricordieux. Tu as dit dans ta parole, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les laisse obtient miséricorde. Nous avons besoin de ta miséricorde. Nous avons besoin que tu nous assistes. Aïe, des bouches, des babes. Quel que soit les jugements, quelles que soient les fautes que tu as accomplies, ou que tu as mis, ou que tu as fait, quelles que soient les erreurs, quelles que soient les choses que tu as pu faire, viens t'humilier devant la face du Seigneur. Viens t'humilier, viens demander pardon d'une manière sincère, parce qu'il veut te propulser, il veut te faire avancer. Viens t'humilier. Il a dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Celui qui les avoue et les laisse obtient miséricorde. Il vient, il veut ce matin encore déverser son lot de miséricorde. Ah, tu as besoin de la miséricorde de Dieu. Parce que quand tu pêches, ça veut dire amasia. Ça veut dire rater la cible, rater le but. Ça veut dire tu passes à côté de la volonté de Dieu. Et quand tu passes à côté de la volonté de Dieu, il y a un jugement. Que ce soit une volonté permissive, même si c'est une volonté permissive, tu dois savoir qu'il y a un jugement à l'issue de cette volonté permissive. Il n'y a que la volonté parfaite, oh, qui n'a point de jugement contre nous. Parce que c'est ce que Dieu veut que nous puissions faire. C'est ce que Dieu veut que nous puissions accomplir. C'est ce que Dieu veut que nous puissions manifester. Alors, il y a des bouches. Si tu n'es pas dans la volonté parfaite, tu as besoin de la miséricorde de Dieu. Parce qu'il y a toujours un jugement. Il y a toujours un jugement. Si ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Ah, il y a des bouches. Alors, Seigneur, pardonne. Oh, pardonne nos manquements. Pardon, nos défaillances, pardon, Seigneur, pardon, pardon, nos manquements, pardon, oh, pardon, nos défaillances, pardon, là où nous avons fauté, pardon, relève-nous, relève-nous, aïe, des bouches, aïe, des bouches. Le Seigneur t'appelle à faire des choses. Le Seigneur te donne des directives. Il t'a donné une orientation, mais tu es en train de douter. Oh, tu procrastines. Tu procrastines. Tu remets à plus tard. Tu remets à demain et tu remets à plus tard. Alors, et pourtant sa voix était claire. Alors, et c'est pourtant il t'avait déjà parlé. Et à travers la bouche de ton frère et de ta sœur, à travers la bouche de ton père spirituel, pasteur Ivan, pasteur Yves, ou le conseil pastoral, il t'a parlé dans le cœur. Il est droit dans le cœur, mais tu n'as pas écouté. Oh, tu n'as pas obéi. Oh, tu es en train de traîner encore. Tu es en train de traîner les pieds. Ah, parce que tu n'arrives pas à avancer. Tu procrastines. Alors, bien-aimé, sache que tu n'es pas dans la volonté parfaite. Ah, tu es dans la volonté permissive.
La finalité de la volonté permissive, c'est un jugement contre toi. Non, nous ne voulons pas, Seigneur, de ce jugement. C'est pour cela que nous venons implorer ta miséricorde. Seigneur, viens accorder la miséricorde. Nous avons besoin de ta miséricorde. Tu as dit dans ta parole, le jugement est sans miséricorde. Ah, mais la miséricorde des dieux triomphe du jugement. Le jugement est sans miséricorde. Mais la miséricorde des dieux triomphe du jugement. Aïe, des roches. Merci Seigneur pour ton sang qui nous lave. Merci Seigneur pour ton sang. Élevez la voix, aïe, des roches. Rends grâce à Dieu pour le sang précieux. Parce qu'il a dit, si tu t'approches de lui, si tu viens à lui et tu demandes pardon, il est fidèle et juste pour te pardonner. Seigneur, merci pour ton sang qui nous lave ce matin. Oh, merci pour ton sang qui nous purifie, qui purifie notre conscience des œuvres mortes. Aïe, des roches, des bababababoches, des... Bien-aimé, ce matin, le Seigneur veut te rappeler. Il veut te rappeler qu'il t'a donné une destinée. Tu as une destinée. Tu dois prendre conscience de qu'il t'a suscité pour un but. Il t'a suscité sur la terre pour un but. Ne perds pas de vue ce but. Ne perds pas de vue ce qu'il a fait. Parce qu'il a parlé, il a parlé. Il t'a façonné pour un but. Quand il t'a créé, il avait une pensée pour toi. Il avait une pensée. Quand il t'a suscité, quand il t'a créé, il avait une pensée. Tu as été créé pour accomplir quelque chose. C'est pour cela que nous avons besoin de lui. C'est pour cela que nous avons besoin de son assistance. C'est pour cela que nous avons besoin de notre partenaire. C'est pour cela que nous avons besoin de notre assistant. Pour que tous les jours que nous puissions marcher avec lui, afin de ne pas nous séparer du but que le Seigneur nous a donné. Il a chekaya de bocha et kandaboche de bababoche. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Éphésiens 2. Verset 10. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors ce matin, bien débauche, nous allons implorer la face du Seigneur afin que le but pour lequel Dieu nous a suscités sur la terre, que nous ne puissions pas perdre de vue ce but. Que ce plan parfait, que ça soit réactivé. Là où nous étions peut-être arrêtés, là où nous nous sommes arrêtés, que le Seigneur réactive ce but. Réactive parce que nous voulons avancer vers notre destinée. Parce que nous voulons accomplir sa volonté parfaite. Parce que nous voulons accomplir le plan parfait, le but pour lequel il nous a suscité sur la terre. Alors, bien-aimé, élève la voix, il débauche, afin de supplier à Dieu, de demander à Dieu, il débauche, qui est dans ton plan, qui réactive, qui te repositionne,
qui te repositionne dans le chemin, dans le couloir de ta destinée, qui te repositionne parce que il y a des choses que tu dois faire. Oh, l'ennemi veut te mettre ailleurs. L'ennemi veut que tu sois distrait. L'ennemi veut que tu ne sois pas au bon endroit afin de ne pas recevoir les directives du Seigneur pour accomplir la volonté de Dieu. Alors, Yadabosh, Yekadabosh. Aujourd'hui, Léo, lève-toi, parle, Yedeboshada, demande à ton Dieu, Yakanaosh, de te repositionner. Repositionne-moi. Ah, repositionne-nous. Repositionne-nous, Seigneur. Oh oui, repositionne-nous. Repositionne, mon frère, ma soeur. Ayanda Babo Shedevada. Là où l'ennemi nous a déviés. Là où l'ennemi nous a fait partir ailleurs. Ayanda Boshaya. Seigneur, nous appelons au début tour. Nous voulons obéir à la voix du demi-tour et des bouches. Quand tu n'es pas dans la volonté de Dieu, et quand ton cœur, étant donné que tu as demandé pardon à Dieu, le Seigneur peut maintenant te parler encore. Le Seigneur peut te parler et te repositionner, peut te donner des directives, peut te dire. Alors si tu étais éloigné du chemin, le chemin qui t'emmène dans ta destinée, Yedeboshaï, aujourd'hui tu vas entendre le son des mitours. Yedeboshaï, reviens, oh reviens, reviens. Parce que c'est ici qu'on t'attend, c'est sur ce chemin qu'on t'attend. Le Seigneur t'attend dans ce chemin, parce qu'il a des projets de paix et non de malheur. Au Kayan de Bocha, il veut te propulser comme une flèche dans ta destinée. Il veut t'emmener, oh là où il a préparé. Yedeboche, alors viens, Yekandabosha, demande à Dieu, Yek, repositionne-moi. Là où j'étais parti ailleurs, Seigneur, je t'en supplie, fais-moi revenir sur les trois chemins. Oh, je m'abandonne, fais-moi revenir sur le chemin de notre destinée, le chemin de ma destinée, le chemin de l'éternité. Fais-moi revenir sur la voie de l'éternité, fais-moi revenir sur le chemin que tu as préparé pour moi. Fais-moi revenir, parce que je ne veux pas être ailleurs. 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 Oh non, je ne veux pas être ailleurs. Je ne veux pas être ailleurs. Non, non, je ne veux pas être ailleurs. Non, non, je ne veux pas être ailleurs. Je ne veux pas être ailleurs. Je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec toi. Amos 3:3 dit, deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Dieu est d'accord avec les projets qu'il a créés pour toi. Il est d'accord avec les projets qu'il a suscités pour. Il t'a suscité pour ce but. Il t'a positionné. Il t'a créé en Christ pour des bonnes œuvres. Il y a des bonnes œuvres que tu dois accomplir. Il y a quand des bonnes choses. Il y a des zones, il y a des sphères d'influence là où tu dois rentrer. Le Seigneur t'attend, peut-être à briller dans le milieu des écoles. Ah, il y a des bouches. Le Seigneur t'attend, peut-être à briller dans le milieu médical. Le Seigneur t'attend, peut-être à briller dans la politique. Alors, il y a des bouches. Repositionne-nous. Ce matin, repositionne-nous. Seigneur, repositionne-nous, ce matin repositionne-nous, parce que nous voulons accomplir le but pour lequel tu nous as suscité, le but pour lequel tu nous as suscité. Aïe, débauche. Seigneur, je ne veux pas être ailleurs. Non, je ne veux pas être ailleurs. Ramène-nous, Seigneur, sur la voie de l'éternité. Ramène-nous sur la voie de l'éternité. Enlève ce qui n'est
n'est pas de toi. Élève la voix, il y a des bouches afin de réprimer. Il y a des bouches réprimer toutes les voix de l'ennemi, les voix de procrastination, les voix au Kaya pour remettre plus tard le dessein de Dieu. Le Kaya des bouches pour remettre plus tard ce que Dieu t'a dit. Oh Yana Boshaya. Réprime les voix de l'intimidation. Réprime les voix de l'intimidation. Il y a des voix qui te disent non, ah, tu ne peux pas rentrer dans ce domaine, dans cette sphère. Tu ne peux pas rentrer parce que tu n'es qu'un sauterel. C'est pour cela, oh, les espions, les 10 espions ont dit à nos yeux et aux leurs, oh, nous étions comme des sauterelles. Yedeboshaya, non, tu n'es pas un sauterelle. Non, tu n'es pas une sauterelle. Non, non, non. Ayandeboshaya, ton Dieu te voit comme un géant. Ton Dieu te voit comme un malabar spirituel. Ton Dieu te voit au Kandabrakabaya. Viens, Yandebosha. Jésus-Christ, oh, dans le jardin de Gethsemane, Yakandabokoya. Ayandeboshaya. Quels que soient les défis qu'il y avait, quelles que soient les difficultés qu'il y avait, il a décidé, il a dit non, que ça ne soit pas ma volonté. Même si mon âme me pousse à dire non, je ne peux pas y aller. Mais Seigneur, accorde-moi la force, il y a des bosses de pouvoir avancer. Alors c'est pour cela que tu dois décider, tu dois soumettre ta volonté à la volonté du Seigneur. Que notre volonté soit soumise à ta volonté. Que nos émotions soient tes émotions. Que nos sentiments soient tes sentiments. Que nos pensées soient alignées à tes pensées. Élève la voix dans les brochères. Soumets ta volonté à la volonté du Seigneur. Quelles que soient les choses qui te disent, oh, il y a des broches, procrastine. Remets tes projets à plus tard. Non, refuse. Refuse ce matin. Combat pour ta destinée, combat parce que le Seigneur veut te repositionner, le Seigneur veut te propulser comme une flèche, parce que nous devons courir et prendre notre vol comme des aigles. Dans cette saison, il faut régner, il faut inébaucher. L'heure est arrivée de pouvoir se lever, l'heure est arrivée pour que les enfants de Dieu se lèvent. Viens combattre, combat pour ta destinée, combat pour ta destinée. Jésus-Christ a combattu Yendeboshandababa parce qu'il devait devenir l'auteur d'un salut éternel. Ah, il devait devenir l'auteur d'un salut éternel. Ah, il a dit, oh Kabashandababa, même s'il y avait des pensées, l'ennemi lui disait, renonce, renonce, renonce. Il a dit non, Kandaboshandaba, oh, je décide de soumettre ma volonté à la volonté du Seigneur. Il a dit que ce ne soit pas ma volonté, que ce soit la volonté du Seigneur. Yakandeboshaya, Yendebosh, même s'il y avait des images qui lui disaient renonce, renonce, c'est trop difficile, abandonne. Mais il a décidé de tenir ferme. Quand tu te soumets, quand tu es soumis à sa volonté, quand tu laisses ta volonté, et tu vas voir que le Seigneur va t'envoyer un ange. Il t'enverra un ange pour te soutenir. Merci, viens, Seigneur, viens fortifier mon frère, viens fortifier ma soeur, viens soutenir, viens nous fortifier. Viens nous fortifier, viens nous fortifier, viens nous fortifier ce matin, ce matin, viens nous fortifier, ce matin, viens nous fortifier, oh oui, ce matin, viens nous fortifier, oh oui, ce matin, parce que nous voulons accomplir ta volonté. Ah, ce n'est pas, nous avons la volonté. Mais nous n'avons pas la capacité, viens nous fortifier ce matin. Ayandeboshandababa, viens soutenir mon frère qui est en train de se battre. Kandabokonde pour sa destinée, pour le combat de sa destinée, pour Rekendeboshaya. Parce que le Seigneur ce matin te repositionne. Kandabrakabayandebosha. Tokoyondebokondebababa. Et Kandabrayandebosha. Koyikondeboshe de bababa. Kondeboshek. Et Kandabrakabababoshaya. Non, je ne laisserai pas l'ennemi. Les flèches de l'ennemi
qui sont envoyés pour que je puisse être affaibli. On ne pourra pas m'atteindre parce qu'il est écrit, 1000 tombera à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Est-ce que tu peux lever la voix, élever la voix pour dire, les flèches de l'ennemi ne pourront pas t'atteindre. Aucune flèche ne t'atteindra, aucune flèche, parce que ton Dieu est avec toi. Tu as décidé de te soumettre à sa volonté. Alors c'est lui-même qui te garde, c'est lui-même qui te protège, c'est lui-même qui te protège. Il te barricade. Ah, viens nous fortifier. Viens nous fortifier ce matin. Ce matin, nous fortifie. Oh oui, ce matin, viens nous fortifier ce matin. Yandabra, Shandababa. Quelles que soient les paroles. Oh, ils ont dit, il y a des paroles de malédiction. Tu ne rentreras pas, tu ne réussiras pas, tu ne te marieras pas. Yandabo Shedeba. Quelles que soient les paroles de malédiction prononcées à ton encontre, à ton encontre. Yekandabo Shandabababo. Sache que le Seigneur a dit, oh, nous annulons toutes les paroles de malédiction prononcées à notre encontre. Yekandabo. Les paroles de malédiction prononcées contre toi sont annulées dans le nom de Jésus. Nous les annulons dans le nom de Jésus. Élève la voix, annule toutes les paroles de malédiction prononcées à ton encontre. Toutes les paroles de malédiction. Parce qu'il a dit, oh, dans Romains 8, désormais, il n'y a plus de malédiction. Il n'y a plus de malédiction. Oh, pour tous ceux qui sont en Christ et qui marchent par l'Esprit, nous avons décidé d'être soumis à Christ. Nous avons décidé de soumettre notre volonté à la volonté du Seigneur. Aucune malédiction ne pourra nous atteindre. Aïe, en ébauche. Parce que nous sommes déjà bénis. Nous sommes déjà bénis. Yan de boche de baba baba boche. Et de boche de baba 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 baba. Et de boche de baba 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 boche. Et de boche de baba. Yakanda boche. Aucune malédiction ne pourra nous atteindre. Parce que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ Jésus. Bien aimé, tu as été créé en Christ. Tu as été positionné en Christ. Yakandebosh, demeure-y. La parole de Dieu déclare dans Proverbe 18 et 10, le nom de l'Éternel est une tour forte, et les justes se réfugient et se trouvent en sûreté. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Yandabosh, Yandabosh, ils ne peuvent pas t'atteindre, Yakandabosh. Ils ne peuvent pas t'atteindre parce que décide de rester positionné. Le Seigneur t'a établi. Pasteur Ivan a libéré les paroles prophétiques dans cette saison. Nous sommes établis en Christ Jésus. Nous sommes établis. Alors, ne procrastine plus. Ne procrastine plus. Toute langue qui se lève en justice contre toi, nous la condamnons dans le nom de Jésus. Tout ce que nous avons besoin d'être fortifiés pour que nous puissions tenir ferme, pour que nous puissions rester accrochés. Tu es indéboulonnable, tu es Kandaboche. Personne ne peut te décrocher tant que tu décides de rester sur les rails de sa volonté. Et sur ce rail, tu es, oh, c'est comme un tapis. Bien-aimé, un jour j'ai eu une vision, je me suis retrouvé en haut. Et c'est comme si, là-bas tout se déroule, on ne marche pas, mais on roule. Il y a des tapis roulants. Il y a des tapis. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est ce que j'ai vu. J'ai vu que les gens ne marchaient pas, mais ils étaient sur des tapis et ils roulaient sur des tapis. Ah, bien-aimé. Ah, si tu es positionné en Christ, tu es sur un tapis roulant, ah, de grande vitesse, qui te propulse dans ta destinée. Parce que c'est lui, qui accélère tes pas. Tout ce que tu dois faire, reste accroché, à sa volonté.
Reste dans sa volonté, dans les rails de sa volonté. Oh, dans les rails de sa volonté, nous désirons un réveil de ta volonté. Dans les rails de ta volonté, nous désirons être dans les rails de ta volonté. Dans les rails de ta volonté, sur les rails de ta volonté. Dans les rails de ta volonté, sur les rails de ta volonté. Et des bouches, akababa, d'akaya des bouches. Ah, et des bouches, et des babalaya des bouches. Des kandaboches, et des babababa. Bien-aimé, l'ennemi ne peut rien faire si tu décides de pouvoir faire ce que le Seigneur veut que tu fasses. C'est toi-même qui peux lui permettre, qui peux ouvrir les portes. Et là, à ce moment-là, tu es ralenti. Tu ne pourras pas prendre le tapis qui t'accélère, qui accélère tes pas. Alors c'est pour cela, tu dois te battre, tu dois décider à rester sur les rails de sa volonté. Alors tu vas t'élever, tu vas élever la voix afin de pouvoir réprimer, combattre, anéantir tout ce qui t'empêche, toute forme de blocage. Parce que les blocages, quand il y a des blocages, c'est juste un problème de foi. C'est à toi de t'élever et de pouvoir réprimer. N'accepte pas quelque chose qui n'est pas de Dieu dans ta vie. N'accepte pas quelque chose qui n'est pas de Dieu dans ta vie. N'accepte pas la cohabitation. Dieu ne va pas chasser quelqu'un ou quelque chose où tu es attaché à ça. Dieu ne peut pas. Il a dit aux enfants d'Israël, les Jébusiens, ce n'était pas moi qui les a fait venir. C'est vous-même qui avez fait venir les Jébusiens. C'est à vous de les chasser. C'est à vous de les réprimer. C'est à vous de pouvoir vous séparer d'eux. Bien-aimé, si tu sais, si toi-même tu as invité quelque chose ou quelqu'un dans ta vie et qui n'est pas dans la volonté de Dieu, décide de te séparer. C'est toi qui dois le faire. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Dieu ne viendra pas. Il peut simplement te fortifier. Demande la force. Demande la force. Mais c'est à toi de te séparer. C'est à toi de te séparer de l'autre. C'est à toi de te séparer de la chair. C'est à toi de te séparer. C'est à toi de décider de pouvoir enlever. S'il y avait aucun d'avance, tu as accepté la tristesse dans ta vie. Tu as accepté le manque de pardon. Tu as accepté, oh, Yegadabosha, la haine, tu as accepté, c'est à toi de pouvoir enlever ça, c'est à toi de réprimer ça, c'est à toi, le Seigneur ne viendra pas, parce que c'est toi-même qui as fait la cohabitation, c'est toi-même qui as accepté la cohabitation. S'il doit renverser cela, alors, Yedebosha, Dababababosha, Yekandabra, Kabaya, Debosha, Obababako, Debosha, Yekandabra, décide, Vokobosha. De réprimer tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce que le Père n'a pas planté, Yekandaboche, toute forme d'animosité, soit exprimée. Oh, extirpé de mon âme, extirpé de ton âme, toute forme d'amertume, extirpé maintenant dans le nom de Jésus. De manque de pardon, extirpé dans le nom de Jésus. Parce que nous voulons un cœur pur. Yekandaboche, toute personne, aucun, toutes les alliances que nous avons pu faire. Il y a des roches dans notre environnement. Il y a des roches, les faiblesses de la chair, les personnes avec qui nous sommes attachés, même les amis qui ne marchent pas conformément à la volonté de Dieu. Mais nous avons du mal à nous séparer de ces amis. Alors décide de crucifier ta chair, de rééduquer ton âme. Au Kabashanababao, réprime Yandaboshaï. Sépare-toi, décide Yekandaboshe de Baba. Que le sang de Jésus parle pour toi. Le sang de Jésus parle pour toi. Au Koboshe de Baya. Au Kayandabrakabaya. L'ennemi ne peut pas, il n'a pas de force. C'est toi qui a la force du Seigneur. Avance avec la capacité du Seigneur. Avance avec la force du Seigneur. Viens faire la guerre afin de reprendre le territoire de ton cœur. Viens faire la guerre parce que ton cœur doit être tout entier à lui. Il a besoin que tu puisses avoir un cœur tout entier. Il a besoin d'un cœur tout entier pour
pour avancer avec lui, parce qu'il t'amène, oh, là où Dieu a déjà préparé. Obéis, ne doute pas, ne lui résiste pas. Ah, il a dit, il ne lui résiste pas. Parce qu'il t'amène vers le lieu que Dieu a préparé, vers le Canaan, la vie chrétienne victorieuse. Bien-aimé, le Canaan, c'est la vie chrétienne victorieuse. Le Canaan n'est pas au ciel, le Canaan est sur la terre. Le Canaan, c'est la vie chrétienne victorieuse. Quand tu vois dans ta vie, les choses que Dieu a dit, les choses que Dieu a déclarées, aïe, des bochana, et que tu ne vois pas se manifester, ça veut dire que il y a qu'un des bochana. L'ennemi te met en dehors du canal. Il t'intimide pour que tu ne puisses pas y rentrer. Et tu finis par accepter ce que le Seigneur a dit, prends possession. Il t'a positionné en Christ, alors prends possession. Étant donné que tu sers le Seigneur, et il a dit, vous servirez le Seigneur. Et je bénirai votre pain et vos eaux. Aïe, des bouches. Tu ne peux pas rester dans la disette. Tu ne peux pas vivre dans la disette. Le Canaan, oh, c'est une vie chrétienne victorieuse. Un enfant de Dieu ne peut pas demeurer dans la disette, ne peut pas demeurer dans le manque, ne peut pas demeurer dans le désert, ne pas assez dans les déserts de privation. Donc, tu dois décider, oh, de t'élever parce que Dieu t'a déjà donné, il t'a déjà béni. Il y a qu'un débauche. Alors, lève-toi et canabre. Réprime et canabre. Tout ce qui t'empêche, tout ce qui t'intimide pour que tu ne prennes pas possession. Il a dit là où la plante de ton pied foulera, tu prends ce territoire en possession, décide de prendre en taillant des roches. Et il t'a déjà béni, il t'a déjà béni. Il a dit, si vous servez le Seigneur, vous servez, nous servons, tu sers le Seigneur. En portant le fardeau de Dieu, en étant intercesseur, en étant supplicateur, en étant aucun des bons chaya, intégrateur, tu intègres les âmes, il y a dans l'église, il y a quand d'abochené, oh yandabocha, et tu sers le Seigneur, et quand d'abochon, tu portes le fardeau du Seigneur, tu portes le fardeau, ayandabocha, tu sers dans la maison du Seigneur, ah bien-aimé, tu ne peux pas être dans la disette, tu ne peux pas être dans la disette, tu ne peux pas. Parce qu'il a dit, bénira votre pain et vos eaux. Tu ne peux pas être dans la maladie, parce qu'il a dit, il éloignera la maladie du milieu de toi. Ah, il y a des bouches. Quand une maladie demeure, ça veut dire ce n'est pas lui. Et Gandabouche, une maladie peut venir, mais cela ne peut pas rester. Ça ne peut pas demeurer. Ça ne peut pas demeurer. Parce que sa volonté, il a dit, il éloignera la maladie du milieu de toi. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été déjà guéris. Si quelqu'un est malade, oh ce matin, reçois ta guérison divine. Reçois ta guérison divine. Reçois ta guérison divine. Tout ce que le Père n'a pas planté, sèche à la racine dans le nom de Jésus. Aucune maladie ne peut demeurer en toi. Parce que notre Dieu, il a dit, ah, si vous servez le Seigneur, il éloignera du milieu de toi la maladie qu'on débauche à l'âme. Et à Kandabra Kabaya, au qu'on débauche des mamans, et Kandabroche, aucune infirmité ne restera, aucune maladie ne restera. Nous marchons, oh, il y a des roches, et que dans la liberté des enfants de Dieu, nous marchons la tête haute. Nous marchons fière allure, nous marchons en bonne santé, parce que la santé divine est notre partage. Dans Ésaïe 23, à partir de ce verset, il a encore dit, il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. C'est depuis des années, tu attends d'avoir un enfant, tu n'arrives pas à Prends conscience de cette parole. Ce n'est pas normal. Dans ton canal, il y a des femmes qui avortent. Non. Dans ton canal, il y a des femmes stériles. Non. Ah, ça n'existe pas dans le canal. Dans la vie chrétienne victorienne, victorieuse, tu dois. Si tu aspires à avoir un enfant, tu auras un enfant. Si tu aspires
Yandabo. Et si tu as un enfant, tu ne vas pas avorter. Non! Parce que ça n'existe pas dans le canard. Ça n'existe pas dans la vie chrétienne victorieuse. En Christ Jésus, demeure positionné en Christ, alors tu vas voir. Alors, si il y a quelqu'un qui aspire à avoir des enfants et qui est en train d'être dans la souffrance parce que jour après jour, année après année, n'arrive pas à enfanter, à concevoir. Il y a qu'un débauche. Aïe, y a un débauche. Nous prions et qu'un débauche. Qu'on débauche. Et qu'un abracabaya. Que le Seigneur manifeste. Et qu'un débauche. Cette parole. Que le Seigneur manifeste cette parole. Qui t'en soit fait, selon cette parole. Reçois cette parole. Saisis cette parole. Que toutes les personnes qui n'arrivent pas à enfanter, à concevoir, puissent enfanter et puissent concevoir dans le nom de Jésus. Parce que le sang de Jésus parle. Et les roches, même s'ils ont vie, les matrices ne fonctionnent plus. Dieu est capable de greffer des nouvelles matrices dans le nom de Jésus. Il y a des bouches. Que ce soit un homme qui n'arrive pas. La faiblesse dans ses spermes. Oh, il des bouches. Et il y a des bouches. Que la vitalité soit donnée aux spermes. Afin que tu sois capable d'enfanter dans le nom de Jésus. Quand il y a des bouches. Parce que il a dit qu'il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. Ah, nous saisissons cette parole parce que nous reconnaissons à Canaan. Oh oui, nous, à Canaan, nous sommes victorieux. 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 À Canaan. Nous sommes victorieux. À Canaan, nous sommes victorieux. À Canaan, quand des broches les babas. Et quand des broches les babas. À Canaan, il n'y a pas de mort prématurée. Il n'y a pas de mort prématurée. À Canaan, il n'y a pas de mort prématurée. Quand des broches les babas. Il a dit, il remplira le nombre de tes jours. Si vous servez le Seigneur, c'est à Canaan qu'on sert le Seigneur. C'est à Canaan que je porte le fardeau de Dieu. C'est à Canaan. Oh, Yakadebocha. Je suis un intercesseur. Je suis un supplicateur. C'est à Canaan. Oh, Kadebocha. Je suis un intégrateur. Ah, j'intègre les âmes à l'église. Kadebocha. À Canaan. Oh, Kadebocha. À Canaan. Oh, je suis celui qui gagne les âmes. Un gagneur d'âmes. Kadebocha. Kadebocha. Oh, Kadebocha. Alors, si je suis à Canaan, il n'y a pas de mort prématurée. Non. Il a dit, il remplira le nombre de tes jours. Alors, nous réprimons toute forme de mort prématurée dans cette famille spirituelle. Aïe, Andébosh, nous réprimons dans le nom de Jésus. Yakandabosh, mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Kadabashaya. Parce qu'à Canaan, notre Dieu a dit, il remplira le nombre de nos jours. Yekandabosh. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies. Tout ce qu'il accomplit dans nos vies. À Canaan. Ah, à Canaan. Nous sommes victorieux. À Canaan. Nous sommes victorieux. Ah, nous sommes victorieux. Canaan. Nous sommes victorieux. Ah, nous sommes victorieux. À Canaan. Nous sommes victorieux. Ah oui, nous sommes victorieux. Ah, y'a des bouches, des bababas, des bouches, des bababas. Alors, bien aimé, nous continuons sur ce point de prière. Il a dit, ah, y'a des bouches. Il fera tourner les dos à tous tes adversaires. Ah, y'a des bouches. Tous les gens qui essayent de te faire la guerre. Toutes les personnes qui essaient de te faire la guerre. Alors que toi, tu es à Canaan. Tu marches sur les rails de sa volonté. Et tu es dans Canaan. Tu sers le Seigneur. Alors, il a dit, oh Canaan,
ils sont venus par ces chemins. Ils fuiront par cet chemin dans le nom de Jésus. Parce que, à Canaan, il a dit, il fera tourner le dos à tous nos adversaires. Yandabra Shandabaya, et Kandabo Kodeboshaya. Quelle grâce de savoir que notre grand frère combat pour nous. Quelle grâce de savoir, il combat pour nous. Ah, c'est pour cela nous disons à Canaan. Akana, Akana, nous sommes victorieux. Ah, oh, nous sommes victorieux. Akana, 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 élevez la voix pour rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour ce temps de prière. Rends grâce à Dieu parce qu'il nous a rendus capables de tenir une heure dans la prière. Ah, rends grâce à Dieu parce qu'il nous a fait du bien. Rends grâce à Dieu parce qu'il a libéré des paroles de vie. Rends grâce à Dieu parce qu'il a conduit ce temps. Élevez la voix pour rendre grâce à Dieu parce que, ah, il a dit dans sa parole, nous avons auprès de lui cette assurance. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il les écoute, il nous écoute. Alors bien-aimé, aie cette assurance que ton Dieu t'a écouté ce matin. Il a exaucé nos prières. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Rends grâce à Dieu. Merci Seigneur, dites merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce temps de prière. Et toutes ces paroles ne reviendront pas à nous sans effet. Elles accompliront le but pour lequel elles ont été envoyées. Elles sont envoyées comme un javelot. Elles courent, elles atteindront le but dans le nom de Jésus. Et nous allons voir ce que tu as dit parce que nous avons décidé de revenir à toi. Nous, Kandavosh, nous sommes humiliés. Nous nous sommes humiliés pour revenir à toi sur les trois chemins, sur les chemins de ta volonté. Ariandevosh, afin de pouvoir avancer et de pouvoir prendre possession de tout ce qui est à nous, de notre héritage. Parce que en Canaan, oh oui, à Canaan, oh, nous sommes victorieux à Canaan. Nous sommes victorieux à Canaan. Oh oui, nous sommes victorieux à Canaan. Oh oui, nous sommes victorieux. Oh oui, nous sommes victorieux à Canaan. Nous sommes victorieux à Canaan. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame, acclame. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Yanda Bosch, Yanda Bosch. Merci Seigneur pour ce temps. Merci pour ce moment que tu as conduit. Nous sommes infiniment reconnaissants, Père, parce que c'est toi qui as inspiré toutes les choses, les pensées de nos cœurs, les paroles de nos bouches. Alors que nous clôturons ce temps, Père, nous recommandons cette journée à ta grâce, toute la semaine à ta grâce. Que ta main soit étendue sur nous, que ton sang parle pour chacun d'entre nous, que nos vies, oh, soient pour tes bons, ton bon plaisir. Merci à toi qui fais toutes choses à merveille. Merci pour l'ange de l'Éternel qui, oh, qui nous entoure et nous arrache à tout danger. Arrache chacun d'entre nous à tout danger. Fais-nous prospérer dans le pays. Fais-nous manger la richesse des nations. Fais-nous rentrer dans toutes les sphères d'influence. Nous te bénissons, Père, pour ton amour, pour tes grâces. À toi qui fais toutes choses à merveille. À toi l'honneur, la puissance et la gloire, dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ. Nous avons ainsi prié avec action des grâces, avec révérence et avec acclamation. Est-ce que tu peux acclamer encore mieux que ça le Seigneur? Amen, amen. Merci Seigneur. Merci pour ce temps béni. Merci Seigneur. Nous sommes arrivés au terme de ce moment, ce temps de prière que nous appelons l'offrande du matin.